La dernière pièce du puzzle du pont Bacalan Bastide est arrivée. Ce matin, la future Trinvée Levante a remonté la Garonne depuis Bassens jusqu'au pont. Cette aile sera installée mardi prochain, mais la manœuvre est compliquée. L'espace est vraiment réduit. On a une barge qui fait 100 mètres de long, qu'on doit mettre dans un espace qui fait 106 mètres. Donc on vient très proche des bétons, des embases et des pylônes qui sont construits. Et ce qui est délicat, c'est qu'on va créer un barrage dans la Garonne. Donc on va retenir l'eau qui arrive de la mer. Et il va falloir qu'on maintienne la barge tout le temps. On se met à marée haute en place. Et on attend que la marée descende et le niveau d'eau, de façon à ce que la charpente puisse se positionner toute seule sur ses appuis. Le président de la CUB, Vincent Feltès, était ce matin confiant sur le respect des délais, mais il sait que l'installation dépend en grande partie des conditions climatiques. On avait dit que ça serait achevé fin 2012 pour une mise en route mars 2013, et donc le délai a été respecté. Sur des chantiers avec autant de performances techniques, il y a toujours des aléas, quoi. Pour l'instant, les aléas ont pu être surmontés, donc je reste assez optimiste. Mardi 23, aux alentours de 18h, Vincent Feltès espère faire partie des premiers à pouvoir relier la Bastide à Bacalan à pied.